Tout d'abord, nous allons nous pencher sur le cas d'Ashford Thompson, qui a été accusé d'avoir tiré 4 fois dans la tête d'un policier, le tuant sur le coup. Il a été inculpé de meurtre aggravé. Le 13 juillet 2008, l'agent de Twinsburg, Josh Mkhitaryan, a arrêté Thompson et sa petite amie. Apparemment, l'agent Mkhitaryan a plaqué Thompson sur le capot de sa voiture et l'a menacé. Thompson a riposté en tirant 4 fois sur l'agent Mkhitaryan, le tuant. Sa mort a fait couler beaucoup de larmes. Voici la déclaration de sa mère. « Je pense que votre mère n'a pas élevé un tueur, mais vous êtes devenu un tueur cette nuit-là. Vous avez pointé l'arme sur la tête de mon fils et appuyé sur la gâchette, le tuant, et ce n'était pas suffisant. Vous avez dû lui tirer dessus 3 fois de plus alors qu'il était étendu là, mort, avec une hémorragie sur le côté de la tête. Le tir qui lui a ôté la vie a également ôté la mienne. Je suis mort à l'intérieur. Je suis comme une coquille qui suit les mouvements de la vie. » La femme de l'agent Mkhitaryan sort également et fait une déclaration émouvante. Elle estime que Thompson n'est pas assez désolé. « Vous avez tiré une balle dans la tête de mon mari, et je crois de tout mon cœur que votre petite amie, en sortant de la voiture ce soir-là, vous a donné 2 secondes pour sortir votre arme de votre poche et lui tirer une balle dans la tête. Puis, vous vous êtes penché et vous lui avez tiré dessus encore et encore et encore. Vous avez mis un pistolet sur sa tête. C'est dégoûtant. Qui fait ça ?» La procédure judiciaire et l'ensemble de la procédure commencent à toucher Thompson, qui se met à pleurer au tribunal. Il se sent coupable de ce qu'il a fait et veut être pardonné. Il parle également de son désir d'être exécuté. « Je comprends. Vous savez que ce que j'ai fait est terrible, mais je n'étais pas le seul dans cette situation. » Thompson estime également que la procédure n'est pas équitable à son égard. « Votre honneur, exécutez-moi maintenant parce que je ne peux obtenir aucune forme de justice. Je suis fatigué. Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je peux faire ?» Cependant, le jour du jugement, Thompson s'est assis les bras croisés et n'a montré aucune émotion. Nous, le jury dûment constitué et assermenté, déclarons l'accusé Ashford L. Thompson coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de l'infraction de meurtre aggravé dont il est accusé dans l'acte d'accusation. Ashford Thompson a été condamné à la peine de mort. Vient ensuite le cas particulier de Marquette Lloyd devant la 9e cour d'appel de Floride. Il a été condamné pour le meurtre du lieutenant Debra Clayton de la police d'Orlando. Lloyd était accusé de plusieurs chefs d'accusation, du meurtre de sa petite amie à celui du lieutenant Clayton. Les chefs d'accusation officiels étaient les suivants. Meurtre au premier degré sur un agent des forces de l'ordre, tentative de meurtre sur un agent des forces de l'ordre, agression aggravée avec une arme à feu, détournement de voiture avec une arme à feu et possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Lloyd avait tué par balle sa petite amie et leur enfant à naître, puis avait tiré sur la mère et le frère de sa petite amie. Lloyd a été recherché, et c'est là qu'il a eu une altercation avec le lieutenant Debra Clayton. Il lui a tiré dessus 4 fois, dont 1 fois dans le cou, la tuant. Il a été battu, et voici qu'il essaie de s'expliquer. « Ils m'ont arraché l'œil, ils m'ont cassé la mâchoire, il a fait tout ça dit que j'ai résisté, mais j'ai rampé jusqu'à la route. Comment ai-je résisté ? Je n'ai pas résisté, ils ont juste fait ça, ils ont essayé de le cacher aux journalistes, mais je suis ici en ce moment. Correction. Je pense que nous avons établi tout ce qu'il faut pour une première comparution ici. » Et il peut être emmené après les signes « Ouais, fuck you », après qu'il ait signé le formulaire de non-contact « Ouais, fuck you ». Lloyd n'a pas hésité à proférer des injures à l'encontre du juge et du tribunal. La police a toutefois répondu qu'il était nécessaire de recourir à la force pour l'appréhender, compte tenu de la dangerosité du criminel. Au cours de l'affaire, l'état mental de Lloyd a été remis en question, et voici ce qu'un psychologue avait à dire. « Ce que vous voyez, ce sont des exemples classiques de schizophrénie. Parfois, on observe cela chez des personnes souffrant de troubles bipolaires et d'autres maladies mentales. Mais Lloyd a dit qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale. Monsieur Lloyd, croyez-vous que vous êtes fou ? Non. Lloyd poursuit en disant qu'il s'agissait uniquement d'une folie au moment des actes, et non d'une folie dans son ensemble. Verdict sur le deuxième chef d'accusation. Nous, le jury, déclarons ce qui suit en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation. L'accusé est coupable de tentative de meurtre au premier degré sur un agent de la force publique. Formulaire de conclusion spéciale concernant la loi 774.87, parent 2, pour le deuxième chef d'accusation. Lors de la commission de l'infraction, l'accusé a-t-il effectivement possédé une arme à feu ? Oui. Lloyd regarde fixement la lecture de sa condamnation à mort pour le meurtre du lieutenant Clayton. Il a déjà été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa petite amie et de leur enfant à naître. Nous nous rendrons ensuite au tribunal de première instance du comté de Franklin, dans l'Ohio, pour l'affaire concernant Quentin Smith. Smith aurait abattu 2 policiers, Eric Joring et Anthony Morelli. Smith a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre aggravé et possession d'armes à feu.
les policiers tués, répondaient à un appel au 911 de l'épouse de Smith. Elle avait signalé que Smith l'avait agressé et qu'il était en possession d'une arme. Alors que les agents tentèrent de calmer la situation, il a sorti une arme et a tiré sur les deux agents, les tuant. Cette affaire a duré 2 ans en raison de la nature des accusations. Voici l'un des officiers appelé à témoigner. Alors que je passais devant le premier appartement, un autre coup de feu a été tiré. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire pour lui. L'officier Morelli criait qu'il avait été touché, alors je me suis approché de lui très rapidement. Voici un autre témoignage émouvant de l'agent Stacy Pentecoste. L'officier Morelli était allongé sur le sol, se tenant par le coude. Il a levé les yeux vers nous. J'ai tenu la main de Tony. Je me suis déplacé devant Tony pour éviter que les médecins ne l'atteignent à la tête, et j'ai posé mes mains sur son front. Une affaire si émouvante et si tragique. Les avocats de l'accusation et de la défense se sont battus bec et ongles au tribunal pour présenter leur dossier au jury. Pourtant, en fin de compte, seul le jury et le juge décideront de l'issue de l'affaire. Nous, le jury, étant dans l'impasse et incapables de nous mettre d'accord sur la question de savoir si les circonstances aggravantes l'emportent sur les circonstances atténuantes au-delà de tout doute raisonnable, prononçons à l'unanimité la peine d'emprisonnement à perpétuité suivante pour le premier chef d'accusation. L'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Même si M. Smith semble indifférent à la double peine d'emprisonnement à perpétuité qu'il vient de recevoir, cette condamnation met fin à un procès qui a duré 2 ans. Le cas suivant est celui de Humberto Delgado, accusé d'avoir assassiné un policier de Tampa en 2009. Il a été inculpé de meurtre avec préméditation, d'agression aggravée contre un agent de la force publique, de port d'armes dissimulées et de privation des moyens de protection d'un agent. Le caporal Mike Roberts avait arrêté Delgado ce jour fatidique alors qu'il poussait un caddie. Roberts voulait interroger Delgado, mais ce dernier a refusé. Il s'ensuivit une bagarre qui entraîna la mort du caporal Roberts. Caporal, alors qu'il était au sol, impuissant et immobile, il a pris ce pistolet de calibre 45 et a tiré le coup de grâce. C'est ce qu'a déclaré l'accusation dans son exposé introductif. Cependant, la défense a soutenu que Delgado était atteint d'une maladie mentale. En fait, Delgado aurait pensé que la police et 50 Cent, pour une raison ou une autre, étaient à ses trousses. Il est devenu ce que l'on appelle un théoricien de la conspiration. Pratiquement partout où il allait, il croyait qu'il y avait des maçons qui voulaient qu'il les rejoigne et qu'ils deviennent maçons. Et comme il ne voulait pas, ces gens s'en prenaient à lui. La défense tentait de faire valoir l'aliénation mentale dans cette affaire, mais cela s'avérait difficile, car Delgado avait déclaré « Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès ». L'accusation a soutenu que cela signifiait qu'il avait un état d'esprit stable. Cependant, tout s'est joué sur la décision du juge. Delgado, pour le meurtre du caporal Michael Roberts, cette cour vous condamne à être mis à mort de la manière prescrite par la loi. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Delgado ne fait rien d'autre que de se tordre le cou lors du prononcé de la sentence, totalement imperturbable. Cependant, des années plus tard, en 2015, la Cour suprême de Floride a annulé la peine de mort et l'a condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ensuite, nous rendrons visite à Luis Bracamontes, accusé d'avoir tué 2 policiers de Sacramento, Danny Oliver, adjoint du shérif du comté de Sacramento, et Michael Davis Jr., inspecteur du shérif du comté de Placer. Il a été inculpé de meurtre au premier degré, de détournement de voiture, de possession illégale d'armes, de vol d'un véhicule de patrouille et de tentative de meurtre. Bracamonte a eu des démêlés intéressants avec la justice. En 1996, il a été accusé de crimes liés à la drogue et a été expulsé 2 fois. Malgré cela, il a mené une vie criminelle et, en 2017, il a ouvert le feu sur des policiers. Il en a tué 2 et blessé 1. Un civil a également été blessé. Ce qui est intéressant, c'est que Bracamontes n'a montré aucun remords pour ses actes. « Je vais bientôt m'évader, et je vais tuer encore plus. » Luis a pris toute la situation à la légère. Il a dit au juge, au jury et à toute la salle d'audience, « Si vous voulez, il riait, souriait et gloussait. » La situation était si grave que le juge a dû le laisser partir et suivre le reste de la procédure sur un écran. En raison de ses accès de colère, ses avocats ont tenté d'invoquer l'aliénation mentale, mais le juge ne l'a pas accepté. Comme Bracamontes était un immigrant illégal et un criminel, son cas est devenu un cas politique. L'affaire alimente les conversations sur l'immigration. Pourtant, cela n'a pas empêché la procédure régulière de se dérouler. Après un long procès, voici le verdict. Affaire numéro 14F07390, appartement 21, verdict chef d'accusation 1. En ce qui concerne l'accusation, dans le chef d'accusation 1,
Luis Enrique Monroy Bracamonte a illégalement, et avec malice, avant de penser, commis le meurtre au premier degré de l'adjoint du shérif du comté de Sacramento, Daniel Oliver, nous déclarons l'accusé coupable. Lorsque le juré a lu le verdict, Bracamontes n'a manifesté aucun remords. En fait, il a souri et ri. Il a été condamné à mort. Vient ensuite le cas d'Esteban Carpio, qui a abattu un policier avec sa propre arme. Il a été accusé de meurtre au premier degré d'un policier, d'avoir déchargé une arme à feu en commettant un acte de violence et d'agression avec une arme dangereuse. La situation qui a conduit au meurtre du sergent-détective James L. Allen est plutôt tragique. Carpio avait été accusé d'avoir poignardé Madeline Gatta. Il était interrogé par l'officier de police de Providence lorsqu'il a pris son arme, lui a tiré dessus et a sauté du troisième étage de l'immeuble. C'est l'une des raisons pour lesquelles Carpio est entré dans la salle, en ressemblant à Hannibal Lecter, avec le masque à gaz sur le visage, les yeux gonflés et des ecchymoses. Carpio avait déclaré que la police l'avait brutalisé, mais il a été rapporté que c'était la chute en hauteur qui en était la cause. Le masque à gaz devait cependant l'empêcher de mordre ou de cracher sur qui que ce soit. Cela n'a pas empêché les membres de sa famille présents au tribunal de pleurer en voyant leur fils dans cet état. « Sortez, sortez, non coupable, dites-leur non coupable, dites-leur non coupable, Steven. » Carpio et son avocat ont tenté de plaider l'aliénation mentale, mais le jury ne l'a pas accepté. « Chaque jour, je fais face aux faits de ce que j'ai fait et de ce qui s'est passé. » Esteban Carpio a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a tenté de faire appel, mais sa demande a été rejetée. L'affaire suivante est celle de Dante Morris à Tampa, en Floride. Morris est accusé d'avoir tué deux officiers lors d'un contrôle routier à Tampa Bay. Pour cette raison, il a été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En juin 2010, les agents David Curtis et Jeffrey Cocab ont arrêté Morris lors d'un contrôle routier. Mais ils étaient loin de se douter que ce serait leur dernier arrêt. Morris a abattu les deux agents sur le champ. La salle d'audience est pleine à craquer pour voir ce qu'il adviendra de Morris à l'ouverture de son procès. Voici son ex-petite amie, Ashley Price, qui témoigne contre lui. « Pouvez-vous indiquer l'endroit où il se trouve et décrire un vêtement ?»« Ashley, celle avec la chemise rouge. Qui l'a fait ? Qui l'a fait ? Oui. Saviez-vous de quoi il parlait ? Oui. Vous avait-il orienté vers quelque chose ? De regarder quelque chose ? Pour regarder les informations ?» Ashley a ajouté que Morris lui avait dit où il les avait abattus et de quelle race ils étaient. « Vous a-t-il dit où il les a abattus et sur quelle partie de leur corps ?»« Oui. » « Et où vous a-t-il dit qu'il leur avait tiré dessus ?»« Dans la tête. » »« Et a-t-il utilisé un terme descriptif pour les désigner ?»« Un terme qui vous permette de savoir de quelle race ils étaient ?»« Oui. » »« De quel terme s'agit-il ?»« Crackers. » Voici la déclaration de l'un des membres de la famille du policier. La sœur de l'agent Cocab n'a pas manqué de dire à Morris ce qu'elle ressentait. « Je ne pourrai plus jamais me faire de nouveaux souvenirs avec mon frère, ni maintenant, ni plus tard. » Voici ce qu'a ressenti la mère de l'agent Curtis. Il devrait maintenant demander à ce tribunal de le mettre à mort immédiatement et sans hésitation. Cette affaire a attiré l'attention du public et a fait l'objet d'un examen minutieux. L'un d'entre eux est le fait que la pièce à conviction la plus importante ait été divulguée, à savoir la caméra de surveillance de la police. Certains ont estimé que les forces de police avaient peut-être été compromises, tandis que d'autres ont affirmé qu'il s'agissait de protéger les familles des officiers tués. En ce qui concerne le premier chef d'accusation, à savoir le meurtre prémédité au premier degré de David Curtis, la cour prononce la peine de mort. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation pour le meurtre prémédité au premier degré de Jeffrey Cocab, la cour prononce la peine de mort. Morris a l'air abattu lorsqu'il sort de la salle d'audience, la démarche d'un homme qui est sûr que sa mort va bientôt arriver. Vient ensuite le cas particulier de Marc Anthony Gonzalez, accusé d'avoir tiré sur le sergent Kenneth Van, du shérif du comté de Bexar, en 2011. Il a été inculpé de meurtre. Gonzalez s'était arrêté devant Van en mai 2011 et lui avait tiré dessus, le tuant sur le coup. En raison de la nature de l'affaire, les avocats de la défense et de l'accusation ont accepté de tenir l'audience à huis clos. En outre, l'aptitude mentale de Gonzalez a été examinée à la loupe, afin de s'assurer qu'il pourrait faire face au procès. L'idée de ce procès d'aptitude était de déterminer si la peine de mort, qui lui avait déjà été infligée, était nécessaire compte tenu de son état mental. Dans le cadre du procès, certains enregistrements d'appels téléphoniques ont été diffusés au tribunal. Il y parle de l'affaire et du jury. « Nous avons un bon jury. Il a fallu 5 semaines pour choisir ce jury. C'est une chance sur 2. Vous voyez ce que je veux dire ?» Cet enregistrement est le fait qu'un de ses amis, Steve Starling, avait témoigné dans la salle d'audience du juge du district de l'État, Mary Roman. Starling a rapporté que Gonzalez a gloussé et a dit « J'ai tué un flic.
Ne le dites à personne, pas même à votre femme. Il était donc difficile que le procès sur la compétence se déroule en sa faveur. Au cours de la journée de détermination de la peine, le tribunal a également permis à Yvonne Van, l'épouse de M. Van, de s'exprimer. « Je n'aurai plus jamais de temps seul avec mon mari, et le temps que je passe maintenant est vraiment seul, dans tous les sens du terme. » Elle a parlé du pardon et de la difficulté de pardonner à un homme qui les a laissés seuls, elle et son enfant. Voici la décision formelle de la juge Mary Roman. « Vous êtes par la présente condamné, conformément à la loi texane, à la peine de mort. » Gonzalez, tout au long de la procédure judiciaire, ne dit presque rien. Son calme serait presque impressionnant s'il n'était pas aussi glaçant. Aujourd'hui, il va rejoindre le couloir de la mort au Texas. Merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres vidéos similaires sur notre chaîne.